Alors, tu lis maintenant. Léa est une petite fille de 8 ans. Il adore les animaux, surtout les chats, tous les matins et se réveiller tôt. Il se réveille tôt pour nourrir son chat Nico. Après cela, elle prend son petit déjeuner avec ses parents. Ensuite, elle va à l'école à pied, car elle habite tout près à l'école. Sa matière préférée est les mathématiques. Elle aime aussi jouer avec ses amis pendant la récréation. L'après-midi, elle rentre chez elle. Et fait ses devoirs le soir avant de dormir. Elle lit un livre d'aventure. Alors, écoute. Comment je veux dire? Alors, écoute bien. Léa est une petite fille de 8 ans. Elle adore les animaux, surtout les chats. Tous les matins, elle se réveille tôt pour nourrir son chat, Nico. Après cela, elle prend son petit déjeuner avec ses parents. Ensuite, elle va à l'école à pied car elle habite tout près. À l'école, sa matière préférée est les mathématiques. Elle aime aussi jouer avec ses amis pendant la récréation. L'après-midi, elle rentre chez elle et fait ses devoirs. Le soir, avant de dormir, elle lit un livre d'aventure. Alors, tu veux recommencer? Alors, okay. Tu relis? Léa est une petite fille de 8 ans. Elle adore les animaux, surtout les chats. Tous les matins, elle se réveille tôt pour nourrir son chat Miko. Après cela, elle prend son petit déjeuner avec ses parents. Ensuite, elle va à l'école à pied car elle habite tout près à l'école. Sa matière préférée est les mathématiques. Elle aime aussi jouer avec ses amis pendant la récréation. L'après-midi, elle rentre. L'après-midi. Alors, on s'arrête un petit peu, les virgules. D'accord. Elle rentre chez elle et fait ses devoirs. Point. Le soir, avant de dormir, il lit un livre d'aventure. Tu lis d'aventure. Il y a un livre d'aventure, il est comme un film d'aventure. Alors, un livre est Kitab et ça, les Fiha al-Mouramarat. D'accord? Par exemple, un livre d'aventure, comme par exemple Spider-Man, comme par exemple le petit dinosaure, etc. D'accord? D'accord. Alors, Léa est une petite fille de 8 ans. Alors, Léa, il est venu à ce réveil, elle a 8 ans. Oui. Elle adore, elle aime. Elle aime quoi? Les animaux. Surtout, est-ce qu'elle aime tous les animaux? Parce que je vois les animaux qu'elle aime, Léa? Non, elle aime surtout les chats. Elle aime beaucoup les chats. Alors, tous les matins, elle se réveille tôt. Pourquoi? Pour nourrir son chat Miko. Il a quand fait bkri, باش تعطي النقطيه ديالها ميكو ياكل. Oui. D'accord. Après cela, il est même elle prend son petit déjeuner, le petit déjeuner ou le ftour, الفطار avec ses parents, كتفطر مع باباها وماماها. Ensuite, من بعد, elle va à l'école à pied. كتمشي للمدرسه على رجليها. علاش كتمشي على رجليها؟ Elle habite tout près. Il y a sa classe dans la madrasa. D'accord. Il habite tout près de l'école. D'accord. D'accord. Il habite tout près. À l'école, la madrasa, sa matière préférée est les mathématiques. Oui. D'accord. Elle aime aussi jouer avec ses amis pendant la récréation. Oui. Ok. L'après-midi, c'est. C'est 12 heures. C'est 12 heures. Très bien. Elle rentre chez elle, et fait ses devoirs. Le soir, avant de dormir, elle lit un livre d'aventure. D'accord? D'accord. Alors maintenant, la première question. Quel âge a Léa? Elle a quel âge? Léa a 8 ans. Très bien, voilà. Léa a 8 ans. Tu as quel âge? J'ai presque 10 ans. Très bien. Comment s'appelle son chat? Comment s'appelle le chat de Léa? Est-ce qu'il s'appelle Mimi? Non, il s'appelle Miko. Très bien. Est-ce que tu aimes les chats, Salah?
Oui, j'ai beaucoup lu le chat et le poisson. Et le poisson de bocal. Ah, le poisson au bocal, d'accord. Alors, comment s'appelle son chat? Son chat s'appelle Miko. Miko. Quelle est la matière préférée de Léa à l'école? La Qu'est-ce qu'il aime beaucoup lire, bien lire? Sa matière préférée est les mathématiques. Elle est. Et les mathématiques, voilà. Sa matière préférée est les mathématiques. Ok, ici, il aime aussi. Non, 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 ici on parle seulement de la matière. La délégation, les mathématiques. Non, seulement les mathématiques. Et toi, tu préfères quoi comme matière à l'école? Le français. Tu préfères ou bien tu aimes le français? Bien. Alors, que fait Léa avant de dormir? Alors, avant de dormir, est-ce qu'elle danse? Non! Est-ce qu'elle joue? Non! Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle lit un livre d'aventure! Alors, c'est bien de lire un livre avant de dormir. Alors, comment Léa va-t-elle à l'école? Est-ce qu'elle va à l'école en bus? Non, Est-ce qu'elle va à vélo? non, Alors, elle va? à l'école à pied. Pourquoi? Parce qu'il Parce qu'elle a habite? habite après. Non, parce qu'elle habite tout Tout près. près. Est-ce que tu habites tout près de Non. l'école? Non. Alors, Non. l'école est loin. Tu vas à l'école en? En voiture avec mon papa. Très bien, excellent, bravo Salah.